Bonsoir tout le monde! Bienvenue pour un nouvel épisode sur Project Cars. Aujourd'hui, c'est la deuxième manche du championnat national de Supercar, championnat d'Angleterre. On est à Donington Park, sur le circuit national, donc le petit circuit. Enfin, si on peut dire ça petit, hein, parce qu'en gros, à trois virages près, c'est le même circuit que la version longue. Et cette fois-ci, je fais la qualif parce que je suis pas con. Pas deux fois. Et j'ai pas trop envie de démarrer dernier. Donc j'enregistre l'épisode là juste derrière le précédent. Donc j'ai une petite solution intermédiaire, on va dire, pour les qualifications. Je vais faire mon tour de chauffe, parce que j'ai pas le choix. Et un tour à fond, qui me mettra un premier chrono, en espérant ne pas me louper. Et j'arrêterai la qualif tout simplement à ce moment-là. Donc, faut vraiment que je fasse le meilleur premier tour possible pour essayer de choper la pole. Et sinon, ça m'amènera là où ça m'amènera. Voilà. Alors là, on va arriver sur la ligne de départ. Alors lui, il va me gêner déjà. Ah bah non, elle, Sandra, c'est une femme. Bah elle va me gêner quand même. Voilà, dégage. Laisse passer le pro. Ah, c'est bon. Donington, j'aime bien. Comme circuit. Par contre, en carte, peut-être moins, parce qu'il y a quand même quelques bosses. Les circuits anglais, en général, je les aime bien, parce que c'est pas forcément des circuits qu'on a l'habitude de faire. Allez, record sur le secteur 1, déjà. Une bonne nouvelle. Pas forcément des circuits qu'il y a souvent. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas souvent eu l'habitude de les faire parce que je faisais beaucoup de jeux de course que sur console. Et les circuits anglais, donc Donington, Houghton Park, il y avait quoi d'autre? Bah, Silverstone, c'est un classique. Il y a quoi? Il y a Cadwell Park, je crois aussi. Snetterton, qui est dans Project Cars. C'est des jeux que je crois pour les. Je fais record du tour. Voilà. C'est les circuits que je n'ai fait, je crois, que dans Toka. Toka Race Driver. Là, je passe la qualif. Pole position. Rien à dire, ça devrait être une course tranquille. Voilà. C'était des circuits que je. Eh, ta gueule! Je suis pas dans le dernier tour. Pas du tout. Mon pote. J'ai toujours pas baissé l'ingénieur. J'aime bien les faire les circuits là, c'est sympa, puis ça change. Donington Park, c'est quand même un circuit qui a une certaine histoire. Ça a quand même été un ancien circuit de Formule 1. Et puis peut-être témoin d'une des plus belles courses d'Ayrton Senna. Le fameux départ sous la pluie où. J'espère ne pas me tromper, il démarrait cinquième et il se retrouve premier dès la fin du premier tour. Voilà, c'est. Donington Park a une histoire, quand même. C'est pas juste un petit circuit comme ça. Maintenant, c'est surtout un circuit qui fait des courses pour les différents championnats anglais, que ce soit le Touring Car, le GT et tout ça. Mais c'était un grand grand circuit avant. Je pense que ça l'est toujours maintenant, c'est juste que je. Tais-toi! Ah, c'était mieux quand t'étais pas là, toi, hein? En plus, il a une voix nasillarde, il m'énerve. Allez, tout de suite, hein, je suis en pole, hein, ça se passe beaucoup mieux. J'ai 5 secondes d'avance. Ouais, en fait, j'aurais dû faire la qualif sur le circuit d'avant et pas faire la qualif sur le circuit là. Fait chier. Mais bon, si j'avais fait la qualif avant, j'aurais peut-être pas vu l'accident. Magnifique accident quand même, hein. Faut dire. Ça, c'était de l'accident qu'il était beau. Hop là.
Eh bah nickel. Ah merde, la ligne d'arrivée est plus loin. Merci, merci. Trop d'honneur. Oh, puis on fait 1-2 en plus. Alors, il y a peut-être pas de championnat constructeur encore. C'est du karting. Je pense que c'est pas... Eh ben, je suis déjà plus qu'à 17 points du premier. Bien. Karting, doit pas y avoir de championnat constructeur. Peut-être après. Ah non, formule rookie, peut-être pas encore en fait. Get ready, mate. I'll call the green for you. Tu me diras ? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'en GP2, il y a un championnat constructeur. Faut dire, je regarde très peu la GP2. Donc, je suis pas au courant. Mais. Ouais, c'est pas quelque chose qui me paraît. Être mis en place. Faut dire que dans les championnats là, les championnats de monoplace. C'est plus le pilote qui prime sur l'équipe, en tout cas dans les divisions inférieures. En F1, par contre, le championnat constructeur est extrêmement important. Alors qu'en dessous, non. Je pense pas que ce soit... Oh la vache. Il faut que j'arrête de me louper, là, hein. Pas de calmer. Saloperie. Oh la vache, j'arrête. Oh non, t'as invalidé pour ce tour et le suivant. Hop. Ok, j'ai fait le con. Donc ça veut dire déjà que je pourrais pas avoir les 5 points de bonus. Cool. Et en plus, je suis plus premier parce que je fais que des conneries. Comment dire que le championnat là, je vais avoir beaucoup de mal à le gagner maintenant. Faut que je remonte à fond sur le dernier tour. Ça va être sympa. Putain, ils avancent pas. Ils avancent pas, les pépères. Dégage. Ah. Mais vas-y, fous maintenant. Oh l'enfoiré. Oh le fils de brute. Oh là là, je te jure. Putain, j'avais fait une bonne course. Alors. Et vas-y, l'ordi, c'est violent. Hop. Parce que dans le dernier virage, je vais au moins pouvoir... Oh la vache. Bah même pas. Il a fait un truc de fou. Eh bah 9ème, ça va faire que je vais même pas marquer de points. Aïe. Non, pas recommencer, tant pis. C'est pas grave. Championnat, 49. Oh merde, par contre j'ai fait le con là. Combien ça fait? 25 points. Aïe. J'ai fait une bêtise. Tant pis. Bon. Troisième rendez-vous, c'est le dernier. Snetterton. Calif. Snetterton, j'aime bien. Snetterton 200. Mais Snetterton, il a changé aussi depuis... depuis que je l'ai fait, et vu que c'était au Cars Driver 3 la dernière fois que je l'ai fait, ça fait quand même... 10 ans. Au Cars Driver 3, il a 10 ans. Putain, ça fait mal de dire ça. 10, 9 ou 10 ans, je sais plus. Mais Snetterton, il a changé depuis. Ils ont refait quelques virages. Je me souviens quand j'étais plus jeune. J'aime pas dire ça. J'ai regardé le championnat de voiture de tourisme anglais. Donc sur... Je n'avance pas. Ah, c'est normal. La manette, elle a bugué. J'ai regardé donc le championnat de tourisme anglais sur Motors TV. Et donc c'était la course de Snetterton. Et la météo était pas bonne. Il y avait du brouillard, il y avait un peu de pluie. Et donc il y avait la course qui se déroulait.
Et je me souviens, et ça c'était juste énorme, qu'il y avait une voiture qui était partie en glisse. Et en fait, Snetterton, c'est une base aérienne. Peut-être une ancienne base aérienne, pour le coup, comme Silverstone. C'est pour ça que c'est un circuit qui est très plat et avec de très longues lignes droites. Et en fait, autour de Snetterton, là on le voit pas, mais il y avait des champs de blé, si je me trompe pas, des champs de maïs. Et en fait, yeah. Oh bah ouais, bah je vais avoir du mal à la mettre en pôle si j'arrive déjà pas à redémarrer. Bon, je vais laisser l'autre partir, voilà, merci. Il y a une voiture qui était bah, à cause de la météo, qui s'était mise à glisser et sortir de la piste, et en fait elle a fini dans le champ. C'est assez drôle à voir quand même. Mais la cour... Enfin voilà, il y avait plein de monde qui était parti en tête à queue, plein de glisses. Enfin c'était... À l'époque, c'est quelque chose qui m'avait fait adorer le championnat de tourisme anglais. C'était vraiment... Je trouve énorme. Là, je me suis complètement loupé dans le virage là. J'ai complètement loupé la corde. J'aurais pas le record. Ah bah si. D'accord. Pourquoi pas. Mais après voilà, c'est... Ah je sais plus, il y a des circuits du championnat... Oh la vache. Mec, oh la vache. Putain, il est parti en tonneau. C'était pas facile à éviter. Je sais pas si j'aurai la pole là pour le coup. Ils sont tous en train de battre le temps. J'arrive. Allez, 7ème. Ouais, mais j'ai dit, je fais un seul tour. Et après, peut-être pas simuler, mais aller à la fin de la session peut-être. C'est ça. J'ai fait une erreur. Oh putain, je suis 11ème. Bon. Autant dire qu'en gros, je démarre dernier. C'est certain que je vais pas le gagner, là, le championnat, c'est certain. Vu comment j'ai fait le con, ça va être sympa. Allez, à fond. C'est parti. Très bon départ. Je me fais pousser. Excellent départ, même. Oh, punaise. J'étais 11ème, je suis 5ème au premier virage. Oh là là, le vigreur, l'herbe. Quelle horreur. Bon, du coup, s'il y a un kart qui s'est loupé, peut-être que ce sera. Il y en aura d'autres. Très bonne sortie de virage, dis donc. Troisième, on va y aller à l'aspi. Deuxième. Voilà, ça c'est quelque chose que je comprends pas dans le jeu, c'est que nous, on ressent les effets de l'aspiration sur les véhicules. On arrive à la prendre. Personne se loupe. Oh, si, il y en a un qui s'est loupé. Mais les ordi entre eux, j'ai pas l'impression qu'ils aient l'aspiration. Celui qui est derrière, il rattrape pas. Donc c'est assez bizarre. Oh la vache, voilà, la bosse. Le kart, la bosse. Il a pas aimé. Bon, ça va. Au moins, ça, si, je me suis pas trop loupé. Je suis deuxième. Chercher la victoire, c'est quasiment indispensable. Vas-y, dégage. Oh, ça, c'est un beau dépassement. C'est quand même bien que j'arrive à gagner le championnat là, quoi. Après tout. Je sais pas si... Parce qu'il doit y avoir un championnat anglais, puis un championnat du monde de supercar. Alors, est-ce que si je gagne pas le championnat anglais, je peux quand même participer à celui d'après? J'espère, parce que sinon, je suis pas dans la mouise. Oh la vache! Attends, il y en a un qui est parti en... Faut... T'es sérieux? C'est chiant, ça!
Ok. Bon alors ça c'est un bug, hein, la fumée. C'est un bug des ralentis, je sais pas pourquoi. Alors je crois que c'est lui qui s'est loupé. Oh la vache! D'accord. Il y a tout qui s'est disloqué en même temps. Ça c'est fun. Oui. Le ralenti. Ah ça c'est fort, on pointe déjà les pièces avant qu'elles partent. Et là, BOM! Il y a tout qui part. Comment ça vous permet de voir à quoi ressemble un supercart dénudé? Voilà, ça ressemble à ça. C'est sympa, hein. Il y a un putain de radiateur derrière quand même. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi les accidents qu'il y a là-dedans. Your lead over second place is 1 second. Ouais. Normalement j'ai gagné. Hein. Là, suffit juste que je me plante pas ici. Voilà, j'ai été prudent du coup. Et je gagne la course. À moi, les cases. Les 15. Les 15 points. Great driving, what a win. Fantastic job. Merci. T'es gentil. 15. J'ai 14 points de retard sur le premier. Il y a 20 points à donner. Voilà. Comment dire que c'est pas faisable? Donc là, je suis obligé de gagner en faisant le meilleur tour en course. Si je veux avoir le moindre espoir de gagner le championnat. Go. Sauf que le deuxième, là, le Brian Pettette, eh ben, s'il finit deuxième, je pense que c'est lui qui gagnera le championnat. Même si je fais de mon mieux, je l'aurai pas. C'est con! Je me serais pas loupé sur la deuxième course à Donington. J'aurais gagné le championnat. Mais vu que je me suis planté, eh ben c'est mort. Allez. Parce que là, c'est, voilà, c'est à nouveau de la dominance totale. Donc j'ai compris, hein, faut pas toucher le vibreur, sinon c'est la mort. Oh non, j'allais dire il s'est planté, mais le problème c'est que c'est pas le seul. C'est bien dommage. Ah, le soleil gêne un peu. Oh la vache. Saleté de dernier virage, ça glisse bien. Ah, y a une grosse bataille derrière, hein, quand même. Allez, à fond. On fait le meilleur tour. Et après, on croise les doigts. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Oh la vache. Voilà, l'amélioration, elle est monstrueuse. J'ai 5 secondes d'avance. En un tour et demi. Il n'y a pas de lutte. C'est fou. C'est fou. J'en reviens pas, quoi. Oups là, désolé. Désolé. C'était pas ce que je voulais faire. Wow. Bon bah, Brian Pettette, il va gagner le championnat parce que il est toujours second. Et il va pas se louper. Alors bien joué à lui. Moi, je remporte la victoire. Oh, c'est bien un chien, cette histoire de manette, là. Voilà, voilà. 20 points. Deuxième, c'est bien ce que j'avais dit. Pour combien? Oh, putain, non! Oh, non! Sérieusement? Pour un point? Oh! Voilà, c'est bien ce que je dis. C'est le loupé de Donington, la deuxième course, quoi. Je me serais pas planté, j'aurais gagné le championnat. Ah, oh, ça fait l'œuf. Encore un... Ok. Alors, tu me proposes quoi, maintenant? Ah non, c'est bon. Ok, il y a le championnat du monde. Hockenheim. Ah, Hockenheim. Bon, on va faire la qualif, hein, du coup. Je vais pas faire le con. Forcément, c'est le circuit court. N'empêche,
J'aimerais bien. Enfin, faudrait que je vois si c'est possible de faire ça en contre-la-montre ou une connerie du genre. De faire un tour, par exemple, du circuit entier d'Hockenheim avec un super kart. Et pas avec une Formule 1 parce que c'est débile. Mais avec une voiture de sport. Du genre bah, la Ruff ou la McLaren F1. Et voir il y a combien de différences entre les deux. Je pense que. Enfin, la McLaren F1, c'est peut-être. Non, c'est pas une bonne idée la McLaren F1, parce qu'elle monte beaucoup plus vite. Faudrait faire ça avec l'Audi R8. L'Audi R8, ouais, ce sera un bon choix, l'Audi R8. Comparer les deux. Et franchement, je pense qu'il n'y aurait pas tant de différence que ça. Parce que ça va super vite, quoi, les cartes là. C'est un truc, c'est vraiment incroyable. Alors. Hockenheim, j'adore. Comme circuit. Franchement, j'adore Hockenheim. Il y en a beaucoup qui aiment pas la version récente, qui préféraient la version d'avant, où ça allait dans la forêt, tout ça. Et moi, c'est le contraire, parce que je trouvais que la version avant, la forêt, était un peu chiante. C'était que de la ligne droite, on mettait juste 2-3 chicanes pour essayer de rendre le truc intéressant. Alors que maintenant, je trouve que le circuit est beaucoup mieux comme il est. Alors là, le vibreur là, je pense que c'était une erreur. Voilà. Alors, est-ce que je peux rattraper suffisamment mon erreur pour pas être dernier de la qualif, ce serait bien. Oh là là, j'y crois pas. Et c'était réellement dommage que. Enfin bon. Non, plutôt. Je suis en train de dire des conneries. J'attends avec impatience ces fin 2016 avec le retour du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim parce que. Là, dans la saison 2015, on va dire que le truc qui me manque le plus. Voilà. C'est le Grand Prix d'Allemagne. Nürburgring, j'aime moins, perso. Mais Hockenheim, c'est un circuit que j'adore. Donc, j'espère. Enfin, voilà. Très impatient de pouvoir le refaire sur F1 2016. Oh, je fais 5e. C'est bien, 5e. On va voir. Ah non, 12e. Bon, bah, 12e, hein. Tant pis. Je suis. On va dire que je m'entête à faire des conneries, que je devrais refaire un tour en piste, mais bon. C'est pas grave, après tout. Après tout, ce qui est marrant, c'est de me voir galérer. Je suis d'accord aussi, c'est assez drôle. Puis après tout, si je veux gagner toutes les courses, j'ai qu'à faire une carrière de mon côté. Et voilà, et je fais de mon mieux. Donc. Le but là, c'est pas de me voir gagner toutes les courses avec 15 secondes d'avance. Oh, punaise. Bah, j'ai déjà gagné 4 places, c'est bien. Là, il devait pas y avoir de vibreur suffisamment gros pour que les pilotes se loupent. Je pense. Oh la vache. Putain, ils sont pas mauvais, hein. Ils sont pas mauvais. Septième. Oh, il va me gêner, lui. Stéphane Guidon? Ah non. Guindon. Ah, nom de merde, mon gars. Hein. Désolé à tous ceux qui s'appellent comme ça, s'il y en a. C'était pas. C'était. Voilà. C'était une blague. C'était une blague. Salaud! Il m'a gêné! Mais ça va, toi! Compatriote. Il y a con dans compatriote. Oh, le freinage à l'intérieur. Oh, il était beau, celui-là. Eh, 12e à 3e en deux tours. Franchement, moi, je prends tout de suite. Hein. Ça me va, perso. Ah ouais, c'est vrai que du coup, je loupe les 5 points de la qualif aussi, comme ça. J'avais oublié ce détail.
Ah, il y a peut-être moyen quand même que je finisse second. Oui. Deuxième. Bonne sortie de dernier virage. Ça, c'est cool. Du coup, voilà. 15 parce que il avait fait la pole. Ça se passe mieux. Ça se passe mieux. Là, on continue. Alors, c'est facile, la course là, il y a moins que je la gagne. Putain, toujours surpris dans le virage, quoi. D'accord, ils sont complètement plantés derrière. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils se sont complètement plantés et j'ai déjà 2 secondes 5 d'avance. D'accord, il y a eu un planté général du mec qui était en pôle. Et il a bloqué tout le monde derrière. Donc là, profitez du paysage, hein, puisqu'il va rien se passer. Je vais très vite gagner la course, normalement, si je me plante pas. Voilà, on rentre dans le stadium. J'aime bien le stadium. Surtout ce virage-là, du stadium. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Je trouve que ça fait un peu chaud, comme ça, de faire un bon gros virage qui passe bien devant la tribune. Là aussi, hein, c'est à peu près la même chose, d'ailleurs. Mais... Non, franchement, Hockenheim, j'aime bien, quoi. Avec les feux d'artifice, quand c'est la dernière course de DTM. Du championnat de tourisme allemand, pour fêter voilà, la fin de la saison, quand le vainqueur passe la ligne, ils font péter les feux d'artifice. Comme à Singapour, par exemple, pour le Grand Prix de Formule 1. C'est ce qui se passe. Et à Abu Dhabi. Mais alors, à Abu Dhabi, n'en parlons même pas, hein, parce que là, c'est pour fêter la fin de la saison. Donc là, ils font péter des kilos et des kilos de feux d'artifice. Bon, voilà. 4 secondes d'avance. Si je peux faire le meilleur tour en course, en plus, ça fera 5 points. Ce sera ça de fait. Hop. Oh là là, faut pas que je me loupe. Nickel! Ça c'est fait. Belle victoire. 20 points du coup avec les 5 points du meilleur tour. Et au championnat, voilà, ça se passe mieux. Tant pis si j'ai pas gagné le championnat anglais. Si au moins je gagne celui-là, il y a moyen que je sois promu. Donc c'est ce qui compte. Nouvel email d'invitation. Encore une... Ouais, bye. Pourquoi je regarde? Je verrai quand ça tombera sur le calendrier. Allez, on va faire un dernier rendez-vous pour aujourd'hui. T'as encore Snetterton? Bah du coup, on va faire tout de suite la course. C'est Snetterton, j'étais pas mauvais. Voilà, c'est Snetterton 200. Est-ce que j'étais bon? Alors oui, d'accord. Je laisse tomber les 5 points de la qualif. C'est vrai. Mais bon, j'en avais 12 d'avance. En imaginant que c'est le deuxième qui fasse la pole. Ça va. Il y a quand même moyen que j'arrive à faire un bon résultat. Bah c'est même pas lui qui a fait la pole. Donc c'est bon. Allez, boum 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 boum. À l'attaque. Green, green, green. Go, go, go. Voilà le départ, donc déjà on va faire au moins 5ème. Ah, le salaud qui me passe devant. Oh, la percussion! Je m'excuse auprès de lui, je l'ai foutu dehors. Ah, oh vache, oh là, oh là là, oh le vibreur, oh le vibreur, oh, le, oh l'herbe, oh les gens. Ok, donc. Oh, c'était quoi ça? Un bout de pneu peut-être. Septième. Aspiration, ça glisse! Ah, il y en a au moins un qui va se planter dans le virage, non? Non, pas suffisamment. Oh, il y en a qui sont sortis de la piste. Oh, l'extérieur. Oh, c'est beau, ça. Troisième. Ah, cherchez pas, les mecs. Snetterton, c'est ma piste. Si je me loupe pas dans le dernier virage. Encore toi?
Ah non, hein. Je suis pas d'accord. Reviens ici tout de suite. J'ai pas envie. Tu me connais pas, moi. Je suis un disciple de Pastor Maldonado. Je ramène jamais la voiture en un seul morceau. Là, ça rime. Oh, le con. Allez. Oh, lui, je vais te le chercher à l'aspiration, mais de super loin. Magnifique. Manque plus que le premier se foutre dehors. Oh, l'enfoiré! L'enfoiré, il a voulu me faire l'intérieur, il s'est planté. Le salaud. Je viens de faire un saut. J'y crois pas. La course ruinée par l'ordi, quoi. Allez, et là, par contre, c'est moi qui me plante. Si je veux faire un dépassement. Super, je marque pas un seul... Ah, si, il y a quelqu'un qui se bloque. Il y a deux, même. Je marque pas un seul point. Youhou! J'y crois pas. Le salopard d'ordi. Il m'a foutu dehors, quoi. Bon, ça va. Championnat, je suis toujours en tête. Quelle enflure! Sérieux? Ah, c'est normal, j'arrive pas à gagner des courses, moi. Ok. Et ils sont complètement loupés au départ. Allez, à l'extérieur. Putain, je vais remonter jusque... Wouah! Mais sérieusement! Il est fou, ce mec! Tiens, dégage! Carrément! Mais toujours lui? Tiens! Voilà! Mais... Arrêtez de me percuter! On pourrait dire que on pourrait dire tout ce que vous voulez, que je suis quelqu'un de violent, que je percute les autres, et c'est vrai, je dirais pas le contraire. Mais l'ordi me le rend bien, hein. Parce que putain, quoi. Moi, je freine fort, parce que j'ai pas envie de me louper. Personne s'est loupé, il y a eu de la sortie de piste, c'est tout. Allez, meilleur tour en course, et ça fera 20 points. Ce sera bien. Wouah. Voilà. Propre. Propre. C'est tout ce qui compte. Kylian, je l'ai jamais vu. Voilà. Je l'ai jamais vu, donc je pense qu'au championnat, il doit pas avoir tant de points que ça. Donc c'est très bien qu'il soit second. Hop là. Ah, glisse pas. Ça va me permettre d'augmenter mon avance au championnat. Avance. Bien. Je me demande ça va être quoi les trois prochains circuits pour le championnat. J'espère qu'il y aura plus de circuits anglais parce que c'est un peu de la répétition et je trouve ça dommage. Surtout qu'il y a quand même de quoi faire, hein, ils ont pas mal de circuits. Je pense pas quand même que dans des événements comme ça, il me rajoutera des circuits que j'ai rajoutés par DLC. C'est dommage, parce que je pense qu'il y en aurait qui pourraient faire ça, mais bon. Ce que je veux surtout, c'est qu'il n'y ait plus de circuits anglais. Un, je veux bien, parce que voilà, mais après, faut que les autres soient autre chose. Alors, au championnat, hop, les 5 points de bonus. Parfait! Ça fait combien ça? Ça fait 23 points d'avance. Ça va bien. Et du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, enfin je suis en tête. Bon, je me suis loupé sur le championnat anglais. Je l'ai perdu pour 1 point. Voilà. Encore un email d'invitation. Ça c'est cool. Mais voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode sur Project Cars avec... La suite, et je pense même directement la fin de ce championnat du monde de Supercart. N'hésitez pas à liker l'épisode si vous a plu, à le commenter, et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite de cette carrière sur Project Cars. En attendant, je vous dis à la prochaine tout le monde, merci à tous, et salut !